Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode de Starbound V5 Please Giraffe, chers amis. Donc en espérant que la mise à jour soit pas sortie à un moment où je serai indisponible pour les montages et les tournages, ce serait vraiment sympa. Oh génial, ça tombe bien, là-dedans il y a des choses à farmer. Crac, bon, rien pour le moment. Quoi qu'il en soit, chers amis, oui, il y aura donc une mise à jour à un moment donné, et j'espère être là quand elle sortira. Ce serait vraiment génial. Bon. Ok, j'ai pas de place pour du rouge. Seriously? Si, il y en a là-haut. Par contre, oui, j'en ai une. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont pas en diamant? Sinon, je les vire. Ok, parce que le diamant est vraiment efficace. Hashtag, ça pop n'importe où, n'importe comment. Pour la forme, chers amis, nous sommes sur une planète de type volcanique et pas de... Oh, j'ai cru voir un coffre dans le fond. Non, ce n'était pas un coffre. Donc de type volcanique, ce qui nous change un petit peu... Oh, ça touche ça. Des planètes de type... Dead planet, pardon, j'étais en train de chercher, de réfléchir. On va pas s'amuser à tous les tuer, cela dit. Hein. Par contre, eux, si. Hop. Crac. Accepte de décéder. Donc oui, j'ai commencé à parler dans le précédent épisode de... Oula. De la viande, non. Du cuir. De ce qui arrivera, donc de notre type de jeu au niveau de comment de la sortie de la 1.0. Donc je vous ai dit que normalement en tout cas, la difficulté était modulable directement dans le jeu via un fichier. J'espère que ce sera le cas. Si c'est bel et bien le cas, chers amis, je ferai en sorte de simplement vous fournir via un quelconque site de téléchargement mon mode de jeu à moi. Comme ça, vous pourrez recopier un petit peu le mode de jeu que j'ai. Sachant que ce sera. Je n'obéirai pas aux règles classiques du jeu. C'est-à-dire qu'il y aura par exemple certaines choses que je modifierai. Par exemple, par souci. Attendez, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans, sait-on jamais. Rien du tout. Rien du tout. On va récupérer l'eau pour la forme. Ça peut toujours être pratique. Par contre, j'ai déjà 1000 d'eau, d'accord, ok, pourquoi pas. On peut pas virer le cristal plus la bouse. Ok, ça va faire mal. Ah, bah alors là, j'ai pas compris, là. Voilà, j'ai réussi à m'en sortir, finalement. Bonjour, t'es un peu gros pour moi. Donc c'est à dire que je ferai un mode difficulté qui ne correspondra pas. Allez sort. Un mode classique de jeu. De sorte à ce que vous puissiez profiter un maximum. Un maximum de tout ce qui est long à farmer le plus rapidement possible entre guillemets pour moi. Comme ça vous fait moins attendre en fait pour des choses pas forcément intéressantes à regarder durant le let's play. Tout simplement. Alors je suis désolé, j'ai un gros problème avec les Steam Packs qui ne veulent pas rentrer dans la barre d'état. C'est vraiment embêtant. Crac. Alors. Oh. Un point de vie près. Boum. C'est bon. On n'en voit pas souvent, donc je préfère les farmer pour voir ce qu'ils donnent. Ah bah là je perds des points de vie inutilement. Putain, j'ai essayé hein. J'ai essayé le troisième tir mais... Échec. Voilà. Hop, merci d'être ressorti de ton petit sommeil à moitié là. Oh, oh, je suis vexé, je l'ai raté. Hop, on évite de tomber dans la lave. Donc voilà, un mode difficulté particulier. J'ai aussi dit qu'on farmerait une planète. Qu'est-ce que je voulais dire dans cette façon de le dire? C'est-à-dire qu'on se trouverait une planète de type principalement Lush, je pense. Vous savez, les fameuses planètes où il n'y a pas normalement ou sans vie, vous savez, sur lesquelles on peut se permettre de... Peut-être même une planète sans vie, sur lesquelles on peut se permettre de construire sans trop de monstres. Et sur laquelle donc je ferai ma petite maison, puis après mon petit village et ainsi de suite, pour histoire d'avoir quelques personnages pour le crew. La vache. Oh, ça c'est intéressant.
Ah, c'est pas une formation classique, ça. Attendez. Dommage. C'est dans ce genre de coffre qu'on a pu trouver déjà dans le précédent épisode un blueprint Neon Chakram. Hop, merci d'être passé. Raté, t'es trop mauvais. Voilà, merci de repasser plus tard. Bon, vous m'ennuyez malheureusement. Faudra que je trouve un moyen de vous. De vous one shot. D'ailleurs, il me semble que j'ai un marteau pour ça. Hop les, voilà. On va casser du caillou. Boum. Voilà, ça sera peut-être moins efficace au niveau des différents compos qu'on va farmer, mais au moins. Ground Slam, m'intéresse pas plus que ça. Ça par contre ça m'intéresse, faut que je le récupère absolument. Tout ce qui est compo, ça m'intéresse toujours. Ok. Ici de l'or. Parce que je suis en train de cramer que je prends des dégâts, d'accord. Voilà, ça vous apprendra à sortir tous les deux en même temps. Donc voilà, un endroit où on fera notre petite vie, entre guillemets, assez tôt dans le jeu. Histoire de pouvoir profiter un maximum des différentes nouveautés qui apparaîtront, à mon avis, très très vite dans le gameplay. C'est-à-dire le crew, par exemple. C'est-à-dire emmener des gens dans une exploration, tout simplement. Hop, les, tu repasseras. Ah, ça, faut que je le récupère aussi. Est-ce que je bois un coup? Non. Hop, je vais manger un petit coup. Et ça m'a pas régène, dommage. Aïe. Du coup, on va prendre ça. Ça va nous régène sur la durée. Ça va être pratique. Oula. Salut. Pas beaucoup de coffres sur cette planète. Et malheureusement, pas beaucoup de blueprints non plus. C'est bien dommage. Au lieu du risque qu'il y a d'être dessus, avec toute cette lave, c'est vraiment, 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 vraiment dommage. Faut que je fasse attention aussi à pas dépasser mon drapeau sans le voir, ça serait pas mal. Hop les. Crac. Merci de bien vouloir repasser plus tard. Hop. En douceur, ça se passe plutôt bien. Donc oui, donc un petit village donc on farmera dessus les différentes nouveautés. Donc que ce soit en fait l'élevage de bestioles, parce qu'il y aura des bestioles à élever, chers amis. Oh là 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 là. Catastrophe. Il y aura bel et bien des bestioles à élever, de manière différente d'ailleurs. C'est-à-dire que chacune de ces bestioles, par exemple, pourra être de type électrique, de type feu, de type glace, etc. etc., etc. à la manière d'un petit peu de Pokémon, on va dire, hein, mais c'est vraiment un tout petit peu. Ah mais merde. C'est la caméra qui est retournée en place au dernier moment qui m'a fait me prendre des dégâts. C'est vraiment dommage. Hop, merci d'être passé. Oh, de la rame. Ah c'est marrant, ça m'attire vers le sol. La question est de savoir si je me prends des dégâts. Oui, je m'en prends. Oui, je m'en prends. Dommage. Ça suffit, c'est parfait. Non. Ah, ah, ah. Et non, raté. Dommage. Crac. Tu repasseras. C'est pas aujourd'hui que tu me tueras. Ah oui, vas-y. Ah bah, va nager dans la lave, même si ça te fait rien, c'est dommage. Ça aurait été tellement magique. Plus rien. Si, de la viande grillée. Aïe. 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 Oh là, il y avait pas très. Oh, mais merde. Hop. Stick of Ram, toujours, d'accord, pourquoi pas. Why not? Why not? Why not? Boum.
Crac. Ok, rien de ce côté-là non plus. Ça, c'est ce que j'appelle un océan de lave. Il me semblait qu'on avait un petit peu d'eau sur nous. Arrangeons-nous un petit chemin. On a un petit peu d'eau, effectivement. Pour faire ça, il nous faut un petit peu de bouse. Hop, voilà. Et on fait tomber un petit peu d'eau. Ok, c'est allé vite. Plus que ce que j'imaginais, d'ailleurs. Je pensais pas que ça prendrait autant de flotte pour si peu de choses. De mémoire, c'était pas comme ça avant. Ça s'écoulait beaucoup mieux. Après, peut-être que la cendre est pas aussi propre que ce que, je voulais dire niveau, entre guillemets, absorbant. Je sais qu'il y a certains, certains composants qui sont qui ont une capacité à absorber l'eau. Bon, tant mieux pour eux. Après, oui, bon, c'est comme ça. Ok, c'est vraiment inutile comme pouvoir. Ok, c'est pas avec un marteau que je vais m'amuser à les buter par contre, hein, ces trucs-là, c'est pas la peine. Par contre, ça serait peut-être intéressant avec ce genre de choses. Un humain. Oh, ça aurait été tellement drôle. Ça aurait été tellement drôle. Oh, il y en a deux en plus, ça tombe bien. Crac. Voilà, ça c'est fait. Pas des masses de coffres cette planète, hein. Vraiment pas beaucoup. Même très très peu. Ouf, bah celui-là il est rempli par contre, hein. Pas beaucoup mais bien rempli, hein. Ce que vous dites à un barman, vous mettez pas beaucoup dans l'air mais bien rempli. Et normalement le barman il est content là. Hop là. Ah, quel dommage. Crac, je l'ai eu. Ok, apparemment il y avait un coffre. Je l'ai pas vu. Tant pis pour lui. Regardez ça, lancer. Hop, ça touche. Hop, ça touche. Bon d'accord, normalement c'est pas censé toucher, mais bon. Eh, le résultat est là. Techniquement, j'ai touché, c'est pris des dégâts. C'est que j'ai touché. Un coffre de sable avec des haches de lancer. Alors attendez, parce que là j'ai du bordel sur moi. Ah! Les... non, ça j'aimerais bien le garder. Les bombes. Hop. Je peux pas prendre les haches de lancer apparemment. Dommage. Ça je peux le virer. Hop, ok. Vraiment dommage. La chauve-souris qui se permet de sortir de sa grotte, c'est pas obligatoire. Hein. Hop. Static cell, génial. Ils sont assez rares. J'ai cru voir un coffre dans le coin, mais je me suis peut-être trompé. Oui, c'était un... C'était un des petits chiens, moi, c'est bizarre, là. Ok. N'empêche, on trouve pas trop ce qu'on veut. On trouve pas même des masses, ce qu'on veut. C'est vraiment ennuyant. Parce que si on n'avance pas, c'est pas bon. Alors, ça, ça a été détruit, donc ça ne m'intéresse pas. Même y a pas le moindre coffre d'ailleurs, c'est bizarre ça. Aïe! Mais pas arrivé à un truc en fin d'épisode dans le dernier épisode, genre à ce moment. C'est quoi ça? Ah non, c'est un pauvre bloc, d'accord. Je croyais qu'il avait une forme bizarre, genre à moitié ovale. Alors, ça y est, on a fait le tour. Bon, on peut creuser un petit peu peut-être. On va voir, peut-être qu'on va tomber sur quelque chose de... Non, malheureusement non.
Hop, laisse-moi m'en aller par là, s'il te plaît. Merci. Dommage. C'est la même merde partout. Je m'en fous un petit peu de la Gisalt, à vrai dire, mais... Je l'ai en quantité, c'est de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, crever étouffé sous une... m'intéresserait moins. Ok, c'est bon, on en est sorti. Alors. Biome cristal, pourquoi pas. Oh là là, c'est dur à casser comme planète ça. Alors, attendez. Ennemi. Coffre. Et merde. Hop. Oh. Giant Worm. Oh. C'est pas genre déjà une arme... C'est pas genre l'arme sans le blueprint? Ah, génial. Génial. Mais c'est pas genre... Y'a pas genre un blueprint là-dessus ou un truc comme ça. Ah, ça fait des dégâts de poison. Intéressant, ça. Ok. Bon, bah, why not, hein. Mais je crois que c'est un truc à blueprint, normalement. Dites-moi si je me trompe, chers amis, mais... De mémoire, blueprint, il y a... Ah, ça rebondit sur les murs, c'est cool. Ah, c'est marrant, depuis qu'on a trouvé ça, on n'a plus trouvé un seul monstre. Ok, why not, si tu veux me le donner, pourquoi pas. Ah, j'ai rien dit. Oh, merde. Ils comptent revenir ou... Parce que c'est pas que ces machins là font des dégâts monstrueux, mais... Mais si, quand même. Ok. Ce sont les ennemis qui lancent des bulles. C'est d'eux dont il faut se méfier, chers amis. Je vous le dis tout de suite. Hop, le poison l'a buté. C'est pas extrêmement puissant, hein, comme arme. Cela dit, ça fait ce qu'il faut que ça fasse, quoi. C'est pas plus craqué que ça, quoi. Mais je pense que c'est une forme de boomerang. Honnêtement, moi, c'est comme ça que je le verrais. Une forme de boomerang qui n'a pas eu son blueprint. Pour une raison X ou Y, d'ailleurs. Pourquoi pas, hein. Moi, j'aurais préféré passer par le blueprint. À vous, ça vous évite de me voir farmer comme un malade, bien qu'on ait déjà quelques compos sympathiques. Hop. Quelques sympathiques compos comme vous voulez. Tu reviens ou tu reviens pas? Ah bah tu finis par passer à travers les murs carrément. Hop là. En plus il fait bien le bruit du comment du boomerang. Bien le bruit du boomerang, donc c'est un boomerang qu'on n'a pas eu le qu'on a découvert comme ça en fait. Ok, why not? On n'a pas eu le blueprint, c'est vraiment dommage malgré tout parce que ça veut dire qu'il est d'autant plus rare. Hop, c'est vraiment bizarre. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un blueprint pour celui-là? Est-ce que certains d'entre vous ont trouvé le blueprint pour cette arme ou est-ce qu'on peut la débloquer comme ça? Est-ce que le blueprint n'est pas encore existant dans le jeu? Dites-le moi dans les commentaires, chers amis, s'il vous plaît, ça me rassurerait un petit peu. Les ennemis à bulles, je vous l'avais dit, c'était les pires. Il y va pas, c'est vraiment dommage. Hop. Dommage. Bon, il est mort quand même. C'est ce qui compte. On descend, on descend, on descend, on descend. C'est sûr qu'on va trouver autre chose. Hein. Je sais pas si on peut en trouver plus d'un. Aïe. Non, tu ne mourras pas. Je me téléporte. Oh, celle-là, elle est très simple normalement de mémoire. Non? Thank you.
Hop. Crac. Voilà, c'est fait. Ok, next. Energy Lance. Ah, ça m'intéresse le nom. Le nom m'intéresse. Ça fait longtemps que j'ai pas de... utiliser d'armes à feu. Ah, c'est pas le machin qui projette le truc très très loin, l'ennemi très très loin là. Semble que si. Ça me dit quelque chose. Encore une arme poison, par contre, vous avez remarqué. Aïe. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. J'ai bien reconnu l'arme. J'ai cru voir un coffre là-haut. Oui. Dégage. Why not? Pas de blueprint, cela dit. Aïe, je vais crever connement, je le sens encore. Pff, de précision. Bon, il me rejoindra jamais de toute façon. Il s'est coincé tout seul. Ah, un coffre, on a du bol. On a vraiment du bol sur ce coup-là. Aïe, merde. Bon bah tant pis. Rien dedans. Rien du tout, on continue à creuser dans le fond. Enfin, vers le fond. Je touche le fond, je creuse encore. Bon bref, c'est pas grave. C'était du diamant, non ouais, c'était du diamant. Ça y est. Oula, on n'est pas passé loin. Dégage. Dégage. Hop. Oh putain. Dégage. Mais merde. Tiens, bouffe. Rien par là. Génial. Ok. Ok, je continue à creuser. Y'a pas de soucis. No soucis. No soucis. C'est pas grave. Tout au long de la journée, mais ça me fait travailler. Moi qui rêve de liberté. Attention, je rappelle, c'est pas une. C'est pas. Ça n'a rien de raciste, une référence à South Park. D'ailleurs, de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est un des premiers épisodes de la série. Alors, je vois une challenge room, on va se la faire. Eh B. Oh, t'es pas sérieux, ah, c'est... ça y est, ça y est. Bon, on y va. On va voir ce que c'est. Si c'est encore le lapin et le chat, ça va pas le faire. Ah, non, c'est bon. Tiens, je la connais pas, celle-là. Ça me dit rien, cette histoire. C'est de la glace, je pensais que c'était un bonus. Dommage. Aïe. Voilà comment je vais faire. Hop. Crac. No fear. Hop, merci. D'accord, je pensais que ça passait. C'est bon à savoir. Oh merde. Ça fait mal. Bah. Il y a une porte là. Oh putain, oui, il y a un passage ici, je l'avais pas vu. Ok. Et de une. Et de deux. Me dis pas que c'est un code. En tout cas, ça a coupé le truc. Est-ce que ça a ouvert la porte, cela dit, c'est une autre histoire. Ah. Intéressant.
Alors, il y a un combo qui ouvre la porte. Qui allume la lumière, pardon. J'imagine. Non. Aurais-je raté quelque chose? Aurais-je raté quelque chose? C'est possible après tout, hein. Ça m'intrigue, cela dit. Ça m'intrigue, cela dit. Y'a rien que j'ai raté en fait. Donc y'a bel et bien un truc que j'ai pas compris alors. Oh, alors là. Désolé monsieur l'arbitre, j'étais pas dedans. Oh, voilà j'étais dedans. Alors là je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ouverte? Gna. Pas essayer de remonter le fil. Ah ben on verra pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ouverte? Me dites pas qu'elle est buggée. Me dites pas qu'elle est complètement buggée. Parce que si je rouvre ce truc là, d'accord. Ça referme le truc. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Oh. Voilà. Qu'est-ce que je n'aurais pas fait? Oh mais merde, je suis stupide ou quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? D'accord, je peux pas la casser. Et il y a trois trucs qui partent vers là-bas pour ouvrir ça. Et on voit bien qu'il y a des lumières au sol qui ne sont pas allumées du tout. Merde, je suis con. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi est-ce que rien n'est allumé au sol en fait? C'est ça le truc. Elle est là la vraie question. Pourquoi est-ce que rien n'est allumé au sol? C'est ça le vrai problème. Le problème c'est ma connerie aussi, c'est vrai. Pourquoi? Ah putain, il y a un temps. Ok, il y a un temps. Ouais, ok, d'accord. Je crois qu'il y avait un temps, chers amis. Oh là là, fallait le deviner, hein. Rien d'intéressant dans le coffre. C'est tout à fait c'est tout à fait le style du jeu. C'est tout à fait le style du jeu. Bon. Eh ben, écoutez, rien par là. Un trou ici. Un coffre en dessous. Des fois que, non. J'ai espéré, je l'avoue. Ok, aïe, aïe, double aïe. 3 diamants, je prends. Santé ?
Poison, génial. Exactement l'inverse de ce que je voulais, c'est toujours sympa. Merci le jeu. Aïe. Fais-moi tomber sur plus d'ennemis, t'as raison. Toujours plus de dégâts dans ma poire. C'est épique. Et le poison qui n'en termine pas. Je me suis coincé, je me suis coincé. Génial. Ben, vous savez quoi, on va creuser avec une... Voilà, ça va beaucoup plus vite. Par contre, on voit beaucoup moins de choses du coup. Oh la gueule. Alors, je vois quelque chose en dessous, cela dit. Hop. Raté, c'est un échec. Ici, on a... rien du tout. Ici, on a un quelconque monstre qui ne m'attaquera pas, qui est là pour la forme. Ici, on a un autre coffre. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Boum. Et une pauvre dague. Ok, ok, ok. J'ai cru voir un coffre. Me trompe je me trompe. Oui, effectivement. Ici, par contre, c'en est bel et bien un. Avec un pauvre sniper dedans. Ici, un autre coffre. Avec des pixels dedans, ça, je récupère. Et ici, rien à nouveau. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à ma... Ah ! Non, il y en a une là, attendez. Me dis pas que je l'ai lâché bêtement. Je l'ai lâché bêtement. Je l'ai lâché bêtement. Ok, cool. Attendez, il y a un truc là. Hop, rien du tout. Génial. Là, j'ai vu un coffre. Je l'avais pas vu avant. Un pauvre bouclier vert, d'accord. Je trouve pas grand chose d'intéressant hein, en ce moment. Aïe. Je sens que je vais remourir bêtement si ça continue. Hop. On va profond, on trouve pas grand chose. C'est véritablement un problème. Hop. D'accord, dommage. Je me sens pas récompensé par le jeu. Hop, je viens de voir que Shadow doit crever, c'est pas grave. Hop. Ça va pas, ça va arriver plus vite que ce que j'imaginais hein. Oh mais non. Il y a un coffre en dessous. Il y a un coffre en dessous. Hop, rat, t'étais trop nul. Je t'ai mindé. Hop, t'as failli, t'as essayé en tout cas. Hop. Alors lui il est inoffensif parce qu'il bougera pas. Buggé comme il est, il bougera pas. Alors je rappelle que mon objectif à moi c'est de descendre le plus bas possible, pas de monter, normalement. Aïe. C'est que vous me faites mal les mecs là. Bon par contre deux comme ça, je suis désolé, il y aura rien dedans. Je vais aller les ouvrir. Ouais non, il y aura rien dedans. Attends, c'est un wooden storage. C'était pas un... Non, c'était ça. Bon, tant pis. Allez, je passe. Je décide de les passer en me disant qu'il y aura rien dedans parce que c'est justement les trucs de biome. J'espère ne pas me tromper. Parce que là, il n'y a jamais rien eu dedans, vous voyez. Ah, on arrive au fond de la planète, chers amis, je crois. Je vois un truc ici, ça m'intéresse. Ouh là là, on l'a échappé belle. On est bel et bien au fond de la planète. Bon bon bon. Eh bien écoutez du coup les amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Non pas trop bien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.